Hello, hello tout le monde, c'est Nintz, mes nouvelles de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de 7 Days, comme très souvent et comme tous les jours pour le moment, mais on est parti aujourd'hui sur du Winter Project. Alors on se retrouve au-dessus de notre petit piédestal, hein. J'avais un peu déconnecté en plein milieu de tout, parce qu'on était en pleine session de chasse la dernière fois, et je m'étais montée sur des petits wood frames en me disant que c'était bien ça qui allait me sauver si jamais il y avait quelque chose de ce gabarit-là qui m'attaquait, hein. Bon, peine perdue, mais voilà. Alors, on voit ici, eh bien, 17 de nourriture, donc c'est-à-dire que maintenant ça devient une histoire de vie ou de mort de trouver quelque chose pour nous manger, sinon ben voilà, histoire de vie ou de mort, ben on va mourir, hein. Et donc il nous faut trouver des petits animaux sur pattes, des petits neufs aussi, ça pourrait être sympa, on pourrait au moins se faire un petit neuf à un petit œuf à la coque ou une petite omelette, quelque chose quoi, enfin on aurait trois de nourriture, ça nous permettrait de tenir une demi-journée en plus. Alors, est-ce qu'il y a des animaux sur pattes? Non, par contre, ça c'est super intéressant qu'on aura besoin de ressources. Mais pour le moment, ben, c'est pas vraiment ça notre grande priorité. On va essayer d'avancer parce que le render distance, pas l'impression. Voilà, j'ai pas l'impression que ça nous montre que très très loin il n'y a pas des animaux. On va peut-être avancer par là. Vers le dehors de la ville. En général, s'il y a des sangliers, ce genre de choses, c'est rarement dans les villes hein, que ça spawn. C'est souvent sur les extérieurs. Donc, on va risquer, on va voir un petit peu, on va s'éloigner à rien. Pour voir ce qu'il en est. Hop, on a un œuf. Ce serait déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là-bas, il y a des nids. Est-ce qu'il y a des petits sangliers? Non, il y a des bûchards qui... Oh! Sanglier! Nickel! Il nous le faut. Alors attendez, on m'en fout qu'il m'attaque en fait. Il faut qu'il vienne. Je m'en fous qu'il m'attaque, on a dit. Voilà, viens vers nous. Je préfère perdre des points de vie, mais qu'il meure. Voilà. Alors par contre, on n'a pas d'os. Et ça, c'est moche. Attends, toi, t'es un petit zombie, non? T'es pas un... Si, t'es un petit zombie, toi, viens près de moi. Non, c'est un bûchard. Ok, c'était un bûchard. Ah là, il y a un truc qui court derrière, on ira voir ce que c'est. Si éventuellement le bûchard, tu peux lui tirer dans la figure, ça nous arrange, hein. Ça va juste le tuer plus vite, et il va despawn plus vite aussi, comme ça on pourra vite récupérer un autre. Ouh, joli. On va le tuer. Stonax, le faire vite, vite, passer encore bloc, il me faut un os. Vite, 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 vite. Et pas un os, quelque part. Il faudrait vraiment que je prenne l'habitude à sortir avec un os, hein. Vas-y, donne-moi quelque chose. Enfin, qu'il n'est pas encore bloc, malheureusement, je pense pas qu'il va nous donner quoi que ce soit. Vas-y, passe. Bon, je crois qu'en fait, j'aurais pu tout simplement... voilà, c'est bon. J'aurais pu tout simplement le laisser faire, ça aurait été plus vite. Hop, bon chiffre, craft, 100, nickel, vas-y. Montre-nous ce que tu peux faire pour nous sauver. Tu ne seras pas mort en vain, je te le promets. Tu vas nous sauver, la vie. Trois viandes, une, deux, encore une... 3, encore une, 4, 3 viandes, 3 viandes, bon c'est déjà pas mal, 3 viandes, ça nous offre un petit sourcil, ça nous offre, oh non ça par contre j'ai pas trop envie d'aller chercher, non 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 non, ça m'intéresse moins, un petit vautour, c'est juste utiliser mes plumes et possibilité de m'infecter, je suis déjà morte quasi une fois à cause de ça, donc non merci, par contre des petits œufs. Oh attendez, on a de la stamina. On a un peu de stamina. Oui, un œuf, nickel. Regardez, là, il y a un nouveau zombie. Alors, je vais juste prendre un petit peu de pierre avant, pour qu'on se fasse quelques flèches, et puis on ira voir ce qu'il sait. C'est... beaucoup de personnes vont adorer, d'autres personnes... Non, pas ça! On l'a assez entendu. Bon, il y a moyen de casser ce caillou à un moment, voilà. Alors, si je vous dis... Libéré, délivré. Je peux pas vous chanter plus loin, je connais pas les autres paroles. Je sais pas comment j'ai fait, je me suis arrangée, mais je n'ai jamais vu ni entendu. Vu, déjà, ce film, hein. Je n'ai jamais entendu la musique plus loin que ces deux petits trucs-là. Oui, c'est possible. Je vis pas dans une grotte, mais voilà. Attends, par contre, on va faire peut-être une stone axe avant, on n'utilise pas toutes tes pierres. Voilà, et maintenant tu peux faire des arrows avec ce qui reste. Voilà, on va scraper ça. Et on va aller voir. Regardez-moi. Cette petite madame qui, je l'espère, dans le petit dessin animé de Disney, n'est pas aussi méchante que ça. Regardez-moi ça.
Bon, c'est pas exactement elle, hein, mais en même temps, si, en période de zombies et tout ça, on pouvait. Oh, il y a un sanglier là-bas! Oh mince! Un deuxième sanglier! Oui. Mais il faut que tu tiennes bon, on va aller chercher le deuxième sanglier. On va essayer de lui passer. J'espère qu'on l'a perdu, elle. Par contre, elle tient l'aggro normalement, mais super loin. C'est un peu le problème. Mince. C'est risqué ce que je fais. C'est risqué ce que je fais. Mais on a faim, donc à un moment, mesure désespérée, hein. Voilà, alors. Falloir le tuer lui. Alors, c'est pas lui qui me fait peur, c'est elle si elle reprend l'aggro. Parce que je suis pas certaine qu'elle, on peut la tuer aussi facilement que le bonhomme de neige! On va se calmer, on se calme les gens, on se calme les gens. Bon, elle a pas l'air de vouloir reprendre l'aggro. Bon, lui, il est normalement mort. On a bien fait de refaire des petites flèches. Voilà, lui, il est mort, nickel. Bon. Alors, toi qui es, tu viens pas vers moi. Parce que j'ai peur, c'est de réaggro quelqu'un derrière moi. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. On a une arme à feu, hein. S'il faut, on peut s'en servir. Nickel. Ah! Normalement, on vient de toucher le sanglier, donc s'il y a un reset de... On vient resetter le timer de son corps. Il faudrait pourquoi... Allez, vas-y, tue-le. Non! Oh mince! Il m'a touché là, non? Non, il m'a pas touché. Je crois qu'il a touché le gibier. Oh, mais ça lui passe à côté! C'est pas possible! Là, je l'avais quand même! Purée! 2 secondes! Oh, regardez ce qu'il y a là! Il y a du gravier! Ok, bon, là, on a eu une. Oh, si on pouvait l'avoir lui aussi. Ok, on n'est pas infecté. Nickel. Mince! J'ai rien eu. J'ai tué son corps, je croyais qu'il était au sol, mais Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a de la viande. C'est tout ce qui compte. Combien de viande? 6 viandes. Nickel. Vous savez quoi? On ne demande pas son dû, on rentre à la maison. Hop, bon, quoique, si, un petit peu quand même. Un petit peu son dû. Maintenant, on rentre à la maison et on va vite cuisiner tout ça. Un petit bacon and egg des familles qui va nous faire, mais bien plaisir, vous vous en doutez bien. Il nous reste 6 de nourriture. Ce que je propose, c'est qu'on fasse vite ça. Il est 20h, on va vite ramasser tout ça. Hop, on a encore un tout petit peu de temps. Comme ça, on fait le plein de plain fiber. On replante tout. Même si au final, bon, ouais, ça vaut peut-être même pas la peine en fait de tout replanter. On pourra tout remettre en bas directement. Ce que j'aimerais bien en fait, c'est au minimum couper l'arbre. Je crois que l'arbre là, il est adulte. Et donc, on pourrait le couper et on devrait mettre des points dans outils. Nous, qu'est-ce qu'on attend? Quelle heure? 20h18, on a le temps. 4 de nourriture, ici, on a le temps. On va juste couper l'arbre, comme ça, on le replante. Il est à 900, donc on va récupérer des graines. Et il aura déjà toute la nuit pour grandir. Surtout qu'en plus, on a l'air d'être tranquille. J'ai pas envie de gérer un zombie maintenant, mais à mon avis, on n'en aura pas à zombie. Ah, on n'aura pas à zombie. On n'en aura pas à gérer. Par contre, il ne donne pas le maximum du fait qu'on n'a pas beaucoup de stamina. On va attendre un tout petit peu. Mais j'aimerais bien au moins déjà le planter. Comme ça, on aurait déjà 3 arbres. Non, 2 arbres. Y a moyen. Hop. Alors, on va encore creuser. Donc, on va encore avoir de la terre. Donc, on va pouvoir agrandir notre petit jardin. Il va faire tout vert ici qu'on va avoir fini le truc. Alors, hop. 2 pine seeds. On va mettre lui ici. Voilà. Et on va mettre l'autre au coin ici. Mince, il y a quelqu'un qui m'aggro. Oh mince! Oh non, 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 non. Puis quand tu cours, toi, il n'est pas encore 22h. Oh mince! Me dis pas que c'est une horde qui court quand même. Oh oh. Oh, c'est une horde! C'est une blague! Oh, c'est une blague! Non! Oh non! Oh mince, oh oh. Là, par contre, on a un problème. Là, par contre, j'ai un petit souci. Oh, oh oh. Depuis quand on a des hordes qui courent sur ce jeu? Depuis quand on a des hordes qui courent à 20h40? Non, t'es sérieux? Il faudrait... Est-ce que je vais réussir à les semer? Si au moins j'en ai qu'un à gérer, ça va.
Faudrait peut-être le gérer avant que les autres n'en entendent et ne viennent. Ah, une blague. Voilà. Que les autres s'en aillent, en fait, vous voyez, qui partent de l'autre direction, parce qu'ils nous ont perdus tous les deux, vu qu'on courait. Ça pourrait le faire. Ok, nickel. Allez, vas-y. Et arrête de faire du bruit, ou courir, ou quoi que ce soit. Et donne-moi quelque chose de bien. Du duct tape. Ok, pourquoi pas. Par contre, on a un zombie là-bas. Un zombie là-bas. Bon, lui, il y a peut-être moyen qu'il nous ait pas vus. Lui, il y a peut-être moyen qu'il nous voit pas. Et elle, il y a peut-être moyen qu'elle nous voit pas non plus. Descends. Descends, descends. Est-ce qu'on est undetected? Descends. On est undetected. Donc on va avancer tout doucement, sans faire de bruit. On n'allume pas la torche. Je suis désolée les gens, on n'allume pas la torche. Fais pas de bruit. Faut pas qu'elle nous découvre. Faut pas qu'elle nous entende. Alors, ce qu'on peut faire, on va vider notre inventaire. Chut, 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 en haut, on sautait. Alors, une arme à feu, on a meilleur sur nous. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse absolument à manger. Et ça, ils vont l'entendre. 21h, vous savez quoi, on fait à manger. Tant pis, ils vont entendre, mais au moins, on aura mangé et on pourra avoir des forces pour aller les frapper. Hop, vas-y, cook. Les deux. Avec tout ça, on sera bien. Avec un peu de chance, ils vont pas nous prendre l'aggro. Hein. On est peut-être loin. Murky Water. On a ça. On a un peu de snowball. On a rien d'autre à faire en eau. Oui, je sais, t'as faim. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et le fait d'aller dans les coffres, c'est pas l'idéal. Hein. Mais bon, en même temps, faut qu'on vive. Si on mange pas, eh bien, on pourra pas les frapper. 21h15. Il y en avait qu'un. Vous savez quoi, j'ai envie d'y aller. Pour être tranquille de la nuit. Sinon, on pourra pas bouger de la nuit. Il y en avait qu'une. Donc autant y aller. Où est-ce qu'elle est ? Il y en avait qu'une. Tais-toi. N'accro pas tout le monde. Tais-toi. Ils sont partis, tes copains, t'es toute seule. Et lui, est-ce qu'il nous a pris en aggro? Non, voilà, on est tranquille. Elle là-bas, elle s'en va. On est bien, voilà. On peut passer notre nuit sans stress. Nickel, nickel. Alors, où est-ce qu'on va aller? Alors, ce qu'on va faire, je me suis décidée à faire autre chose de la nuit. On se souvient que je creusais, en fait, en bas. On va d'abord manger, hein, puis je descends et je vous explique, je vous montre tout ça. Mais on se souvient que j'avais pris mon tunnel et que je creusais le tunnel tout droit. Puis, j'avais fait un tunnel dans l'autre sens en me disant, on va essayer dans l'autre sens, voir si on a un peu plus de chance ou pas. Le truc, c'est que je creusais un peu dans le vide. Parce que si on regarde la map, en fait, je creusais dans un sens où il n'y a rien, ou des maisons qu'on a déjà fait. Cette maison-là, on l'a faite. Celle-là, on ne l'a pas faite. Alors, ce que je me suis dit qu'on ferait bien, c'est essayer de rentrer dans cette maison-ci, et alors d'essayer d'aller tout droit là-bas, pour au moins creuser de la terre, mais en allant vers un bâtiment que ce sera utile, parce qu'on pourra aller le looter, ce bâtiment-là. Ce que je me suis également dit que je ferais bien, c'est casser tout ça. Parce que je me dis que mieux vaut un tien que deux tu l'auras, donc autant prendre la clé qu'on a besoin ici, qu'on aura ici, en prenant de la brique, de la pierre sur le côté, que de creuser, et de ne rien avoir. Alors, on va prendre un point en plus en blade mécanique, on peut. On va prendre un point en plus en toolsmithing, comme ça au moins on aura des stonax de sang. Et aussi les shovels hein, de sang. Donc on va scraper. Et alors, ce qu'il nous faut, c'est juste, on a, bah alors, stonax. Allez, let's go. On est parti. Et on va commencer à récupérer, eh bien, plein de petites pierres. Plein de clés. Espérons. Alors, normalement, si ce qu'on avait vu la dernière fois est vrai, on va récupérer deux clés par bloc. Donc, le premier maintenant. Et on arrivera au deuxième bloc, plus ou moins, quand on sera aux deux tiers du bloc. Voilà, c'est tout. Normalement, pas plus. Maintenant, comme on vient de mettre un point en bas de mécanique, peut-être qu'on en aura un troisième. Non. Bon, ça va être long, ça va être fastidieux, mais à un certain moment, on va les avoir. On est certain de les avoir.
ce que je propose, c'est qu'on fasse ça. Comme ça, on avance d'une façon certaine vers de la clé. Et ensuite, ce qu'on fera, eh bien, c'est qu'on ira en chercher autre part pour avoir une source un peu plus importante. Mais au moins, comme ça, on avance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on va revenir dans la maison ici. On l'a vraiment... Normalement, elle est clean, la maison ici. Hein. On l'avait nettoyée la dernière fois. Donc, normalement, il ne devrait plus y avoir deux zombies. Non, c'est des ombres. Mais il y a des zombies dehors, en fait. J'ai fait fonctionner mon feu de camp et tout. On entend qu'il y a des zombies dehors. Alors, je me disais, en fait, ce sol-ci... Est-ce que c'est pas un sol qui pourrait nous donner... Hop, comme dans la salle de bain, qui pourrait nous donner de la clé. Parce que, éventuellement, si ça nous donne de la clé... Oui, ça nous donne de la clé. Ce qu'on pourrait faire, c'est creuser un trou ici. Et peut-être que ça nous permettrait de passer en dessous de la maison et avoir le même système, vous savez, que de l'autre côté, où on verrait tout le sous-sol. Et on pourrait voir à ce moment-là s'il y a de la clé en plus grande quantité. Vous voyez, il m'en reste 36 à trouver. Ah, oh, mince, c'est du concrete. J'avais pas pensé à ça. Bon, on prend ceux qui nous manquent. Et puis après, on verra, on avisera. Say a word, mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, mama's gonna buy you a diamond ring. Ça y est, le retour de ce bébé. Que je l'aime pas ce bébé. Je n'aime pas ce bébé. En fait, je suis en train de me dire, en fait, je suis pas plus obligée de terminer le bloc, en fait. À partir du moment où j'ai la deuxième clé, je pourrais m'arrêter et gagner du temps. J'en ai profité pour faire le bellows. Comme ça, en même temps, on a gagné un tout petit peu de temps. On est à 43 de clés. On se calme, les enfants. On est à 43 de clés. Voilà, on va arrêter celui-là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. On va gagner un tout petit peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ah, je déteste ce bruit. Je déteste le bruit du bébé comme ça qui... Oh. Alors, il va nous manquer juste une pierre, je pense, pour faire la forge. La pierre, c'est pas vraiment le gros souci qu'on a, parce qu'on pourrait taper n'importe quel bloc et on obtiendrait de la pierre. Donc la pierre et le bois, c'est pas les problèmes que je vais avoir. Alors, on va récupérer notre petite torche, hein. Voilà, désolé, j'ai juste abîmé un tout petit peu votre cuisine, mais pas grand chose. I will kill you. Donc, je disais donc, maintenant notre forge est en route. On est ici, et on peut aller directement là-bas. Donc éventuellement, vous savez ce qu'on peut faire? Je pense qu'on est tranquille. Je sais pas si ça vaut la peine encore de prendre ces trucs, parce qu'on a que ça, en fait. Ici, on serait bien au point le plus éloigné. Donc on va se faire ici. On va mettre la torche, peut-être, quelque part, voilà. Et on pourrait casser... Alors, lequel on va casser? Ouais, toi, 200, ça me paraît pas mal. Tant qu'on y est, on casse tout. On n'a pas assez de vitres. On n'a pas assez de vitres pour se tuer au cas où. On n'a pas assez. Alors, la clé, on la laisse là. Et on va pouvoir se faire une shovel. On peut plus se faire de shovel parce qu'il nous faut de la pierre. Pierre, s'il vous plaît. Nouvelle stone axe, nouvelle shovel. Et donc, maintenant, on avance. Je fais un petit peu des dégâts partout. Hein. Bon, écoutez, hein, on est en temps d'apocalypse ou on l'est pas. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de sortir. Oh, on est toujours accompagné par ces jolis bruits. Hop, on va mettre un petit wood frame, comme ça on pourra vite repartir. Et on avance, on va miner. Voir un petit peu. Pourquoi je peux pas descendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas avancer? Ah, attends. C'est à cause de ça. Voilà, voilà, maintenant on est bien. Et donc maintenant on va essayer d'avancer. Hop, c'est... Ok, c'est du ciment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du ciment aussi. Alors, il y a un moment où il y a du jardin quelque part. Ah, peut-être que si on avance par là, on va avoir du jardin, on va avancer. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est la sortie. Oh, attends, et si on casse ici en dessous, qu'est-ce qu'on a? Oh, dis-moi qu'on voit... Oh, oh, vas-y, dis-moi que c'est une bonne nouvelle, dis-moi. Oh oui, on le voit là-bas en dessous. Ah, nickel. Ah, non, c'est pas pour autant qu'il y aura de la clé. Bon, on peut avoir un petit peu de chance avec nous, hein. Et vas-y, on va essayer de se faire un petit chemin pour passer.
Ça nous fait du bois en attendant. Et ça nous fait de la neige encore et toujours. Alors, on va essayer d'aller chercher la lumière qu'il y avait là-bas. Voilà. Ah! On va leur poser... J'aimerais bien ma torche, en fait. J'aimerais bien avoir les deux torches. Ici, dedans, il y a de la lumière. On peut plus ou moins se déplacer, ici, pas. Et au moins, comme ça, je la récupère, mais vite. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ça éclairera... Ça nous laissera la lumière du patio, aussi, un petit peu. Oh, et on peut passer? Dis-moi qu'on peut s'accroupir. Oh, nickel. Alors, dis-moi qu'il y a une petite décoloration de clé. Oh, non, nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Ça? Attendez, c'est quoi ça? Non, c'est de la terre. Malheureusement, c'est de la terre. Et ici... Attendez, où est-ce qu'on est? Ça, c'est la maison. Ouais, on va essayer d'aller là-bas. Attendez. Ouais, ici, nickel. And if the monkey peut danser... Alors, bah écoutez les gens, je propose que je passe le reste de la nuit à avancer tout doucement vers le prochain bâtiment et peut-être que le prochain bâtiment sera quelque chose de sympathique pour nous. On va voir. Ah, je pense qu'on arrive au bâtiment. Ouais, en effet. Donc là, on arrive au bâtiment. Oh, attendez. Et comment on arrive en dessous du bâtiment ? Peut-être qu'il y a moyen de voir... Oh oui! On va s'y habituer à ces bruits. Hein. Le bébé, ça va encore. Le bébé, ça va encore. Il y en a un qui fait très très calme et puis lui, c'est... I will kill you! Et ça, c'est le pire, en fait. Je crois que c'est le pire de tous. Alors par contre, là, je peux pas avancer... Alors, j'ai retiré ma torche, les mises là-bas, parce que c'est juste, en fait, on voit pas clair. J'ai mis un peu les gamins un peu plus fort, parce que ça fait aussi mal aux yeux à la longue. Il fait vraiment noir, noir, même avec la torche au final, surtout quand il fait noir dehors. Maintenant, il va faire jour, donc ça va... Ouais, maintenant, il fait jour, ça va un petit peu mieux, on voit quelque chose. Mais avant, on voyait absolument rien. Donc, je m'étais permise, juste pour mes petits yeux, les gens, de mettre les gamins. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Dis-moi qu'il y a une petite décoloration quelque part. Ça m'a pas l'air, hein. C'est ça le truc aussi, c'est que de toute façon, la décoloration... moi, je m'amuse en fait à faire sur une de neige et une de sol. Quoi qu'il arrive, la première de sol, ce sera toujours de la clé. Peu importe ce que c'est comme bâtiment, enfin, peu importe ce que c'est comme sol. Donc, autant profiter des 50 de vie de la neige, ça va beaucoup plus vite pour se déplacer, que de faire les deux dans le sol. Et puis, les deux dans la neige, de toute façon, ça sert à rien, parce que vous verrez jamais quand vous serez... Vous serez dans de la clé, du coup. Donc, l'idéal, à mon avis, c'est de creuser mythe, moitié terre, moitié neige. Comme ça, on profite vraiment des deux. Hop. Mais quand ça veut bien, hein, quand ça veut bien. Voilà. On va se mettre à coupie. C'est plus facile pour passer dans un chemin de deux, comme ça. Alors, où est le fin du magasin? Ça peut être un magasin ou quelque chose dans le genre, hein, ce truc-là. Ah, ici, le coin. On va essayer de... retourner à l'intérieur. Ah, ici. En même temps, il va faire jour. Donc c'est nickel, on arrive juste dans le bâtiment pour l'heure du lootage. Hein. D'habitude, c'est l'heure du goûtage ou du goûter, mais nous, c'est l'heure du lootage. Hein, ou du looter. Non, ça ne va pas. Ok, on va faire ça. Non. Non. Je ne veux pas. En faire 5. C'est bien d'en avoir quelques-uns. Hop, on le sait. On va les mettre dans notre petite barre. Ah, attends. Mince. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire ça. Alors là, on peut pas y aller. On va se faire de la place. On va se faire de la place. On va y aller. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, on va y aller. Non, ça par contre, on va éviter. Peut-être sympa d'éviter ce genre de bruit, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une poubelle ou un truc à looter un petit peu plus loin là-bas? Ou une fenêtre par laquelle on peut rentrer? Ou voir ce que c'est déjà, ça serait pas mal. Voilà, c'est un magasin. Là, c'est les escaliers qui vont en dehors. Il n'y a pas une poubelle? Non, il n'y a pas. Alors...
Bon, sachant que là, on va se faire tout de suite attaquer par quelque chose. C'est pas l'idéal, hein. Vous savez quoi? Ouais, voilà, c'est ça que j'avais peur. On n'a pas vraiment la place pour le fight, hein. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait tomber, lui? J'ai aucune idée du bâtiment dans lequel je rentre, donc ça me fait un petit peu peur. Et on a 6 flèches. Arrow, s'il te plaît? Non, 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 arrow. 5 flèches, en plus, ça fait 11. Ça va, on est bien, on est bien. Faudrait que la pierre... Faudrait qu'on pense à se faire une petite mine aussi. Ce serait pas mal. On va se refaire un club. Pendant qu'il frappe, je sais pas quoi. Il va nous ouvrir le chemin, tranquillement. On va garder celui-là, au cas où. J'ai l'impression que c'est pas ici qu'il casse, hein. Nous, on a faim encore. Ah. Ça peut être un bon truc, celui-ci. Ça peut être un bon bâtiment. Même si je pense pas qu'on aura de la nourriture ou quoi dedans. Ok, un de moins. Alors. Deux de moins. Trois de moins. Je crois qu'il est en haut. Fais tout, va d'abord tout faire, tout nettoyer, puis après on lootera tout, ce sera plus on sera plus tranquille. Petite caisse. Ah, j'ai peur qu'elle casse des trucs en haut, qu'elle nous enlève du loot en plus, donc... Ok, donc ça, elle... Ah, voilà, c'est ça qui fera. Ah, mais c'est une ferrale en plus. Rien que ça, tiens. Ben ouais, tiens que ça, pourquoi pas. Je vous dis, cadeau de Noël, là. Pourtant, j'ai pas été si méchante que ça, hein, Père Noël, là. On est servi. Ferrale, horde, tout va très bien. Bon, par contre, ça va. Notre arme est sharp et bien faite. Alors, c'est tout. On est tranquille. On est qui? Nickel. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? On pourra même sortir par le toit ici, en fait. En fait, on aurait pu aller tout looter avant. Soif? Attends, soif, je peux t'aider. Tiens, drink. C'est vrai que t'as faim. Oh! On va devoir rentrer à la maison assez vite parce qu'elle a faim. Ce serait un peu dommage de perdre du wellness à cause de ça, surtout qu'on a j'ai mis de la viande à cuire avant de partir. J'en ai mis juste deux parce que... Oh mince, j'ai cru que c'était une arme. J'en ai mis juste deux parce qu'il y avait du monde au-dessus. Et comme j'étais pas là, j'avais pas envie qu'il... Ok. Bon, bois, on reviendra hein, si on a besoin de... Il y a rien là-bas dans le coin? Pas un bureau ou quelque chose en genre? Non, hein, je crois qu'on l'avait là-bas. Hein. Non, là et là. Et ici, derrière, je me demande s'il n'y a pas une trousse à pharmacie. Ce serait intéressant parce que point de vue pharmacie, on n'a rien. Vas-y, on va casser ça. Trois nourritures. On casse ça, on loot tout ce qu'il y a derrière et en bas, et puis après on rentre à la maison pour manger un petit bout. Et je pense qu'une fois qu'on aura looté tout ça, eh bien, ce sera bon moment pour la fin de l'épisode. Et en plus, on est à un de nourriture. Petit truc à manger là dans une des caisses, ce serait sympa. Là-dedans, petit truc à manger? Non. Alors le safe, non, pas maintenant, hein. On verra bien à un moment donné ou un autre, mais pas là tout de suite. Du papier. Il y a un frigo là. Si le jeu pouvait être un tout petit peu avec nous, donner un petit truc à manger. À manger, on avait dit pas à boire, mais c'est pas grave. Là-bas, il n'y a rien. Hop, alors on n'a rien looté, les corps non plus. Hop, il n'y avait pas une maman dans les zombies qu'on a tués. Bois, sandwich. Ou à la limite ça on peut même le manger. On va le manger, tant pis. Ah mais la dernière fois ça m'a fait perdre du wellness. J'ai une bonne viande à la maison. C'est dommage, on va attendre. Wrench. J'aurais jamais trouvé autant de wrench que sur cette partie quoi. Je crois que je suis à la 4e wrench. C'est fou quand même, hein. Les trucs basiques, on n'arrive jamais à les avoir. Quand on en a besoin. Plastique, évidemment. Il n'y a rien qui va nous intéresser. Ou derrière, il y a un truc. 34. Ici. Du verre. Est-ce qu'on a eu autre chose que du verre dans ce genre de choses? 80. Chicken soup. Qu'est-ce qui donne le plus? Fullness 5, fullness 7. Vous savez quoi? On peut acheter? Non, on peut pas acheter. Ah mince, on a 40. Bon, on le sait qu'il y a ça là, éventuellement. Je
crois qu'on a tout looté. Allez, on rentre vite à la maison. Je pense qu'on doit être tranquille. On va faire ça. On va... T'avances pas plus vite comme ça ? Je pense que c'est un truc intelligent à faire, ce genre de choses. C'est de se dire, eh bien, on va essayer d'une fois à l'autre, plutôt que faire en ligne, se faire un petit chemin vers un autre bâtiment. On est safe, de toute façon, là-bas en dessous. On aura notre petit chemin pour aller de un à l'autre. Hein. Et au moins, comme ça, on va vers du loot. On reste enfermé, certes. Faudra qu'on sorte chasser, de toute façon, on va dire, les après-midi. On peut faire notre petit chemin jusqu'au bâtiment de la nuit, et le matin se dire, ah ben tiens, le matin, on loot, et puis après, on s'en va, l'après-midi, chasser, comme on va faire ici, sortir un tout petit peu. Attendant, on va manger, on l'a fait un petit peu manger, moi je vous fais plein de bisous bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye. On va juste terminer sur une dernière petite chose, on a une petite vraine, je pense, qu'on avait looté, tiens, petite vraine, 14, normalement, ce machin-là, il va nous donner quelque chose d'autre. Maman, lui, il va nous donner des electrical parts. Vas-y, donne-nous des petites choses. Donne-nous des petites choses, s'il te plaît. Deux, nickel. Encore une. Allez, voilà. Dire d'avoir utilisé la wrench pour quelque chose, c'est sympa. Trois electrical parts. C'est le début de la fortune, hein, voilà. Et alors, ce que je ne pouvais pas arrêter l'épisode sans faire, eh bien, c'était au moins mettre notre petite forge à sa place. Alors malheureusement, bah, tout ce qu'on va devoir utiliser dedans demande de la clé. Et nous en avons 8 pour le moment. C'est le début de la richesse, les gens. C'est le début de la richesse.